Pourquoi considère-t-on que des gens qui se mettent dans une lutte comme celle-là ne valent même pas le salut, le respect qu'il aurait dû? Pères et mères de famille qui êtes ici et qui portez sur votre dos quelque chose qui dépasse votre profession. Ça a été dit il y a un instant, mais moi, je veux le redire avec les mots d'un homme politique. Les systèmes de retraite, les régimes spéciaux ne sont pas des faveurs, ne sont pas des privilèges. Ce sont en toute hypothèse le résultat de luttes sociales. Les retraites sont payées par les cotisations des travailleurs, pas par une faveur quelconque. Personne ne leur fait l'aumône. La retraite, c'est comme un salaire différé. Depuis que le monde du travail existe, on a voulu raccourcir le temps de travail. Parce que la machine doit prendre le relais. Parce que la peine de l'être humain doit être soulagée. Dans la semaine, dans la journée, et dans la vie, et dans la vie. La réduction du temps de travail, la réduction du temps de travail est consubstantielle à la classe salariée. Parce que la classe salariée est la seule qui produit toutes les richesses qui sont si mal réparties aujourd'hui. Et elle a droit, et elle a droit à la part qui lui revient, parce que c'est elle qui l'a produite. Les retraites en France, ça représente 300 milliards d'euros. Ils veulent en faire un capital à placer dans les fonds de pension. Par conséquent, non, c'est non, non, c'est non. Pour la première fois dans notre histoire, une loi avec des trous. Par conséquent, non, c'est non, non, c'est non. C'est un attentat, un coup de force. Par conséquent, non, c'est non. Démocratie dans un cadre comme celui-là. Par conséquent, non, c'est non, non, c'est non. C'est un attentat, un coup de force. Nous réclamons avec vous le retrait, nous nous tenons derrière vous. Nous vous disons notre admiration, notre fraternité. Vous vous battez pour la patrie républicaine telle que nous l'entendons, c'est-à-dire une république sociale. Et voyez de quel prix nous payons. La police républicaine est transformée en une milice où l'on encourage les plus irresponsables, ceux qui sont capables de tirer dans la figure d'un de ses compatriotes, ceux qui sont capables de rouer tout quelqu'un qui est à terre. Non, ça c'est pas la police républicaine, c'est pas l'idée qu'on se fait de ce qui était autrefois et qu'on appelait avec respect le gardien de la paix. Oui, le maintien de l'ordre, disent-ils, les forces de l'ordre. De quel ordre parle-t-il? Le leur, pas celui l'ordre républicain, qui doit être fait de bienveillance et de fraternité humaine. De quel prix payons-nous cette agression contre le système des retraites et les acquis des travailleurs? De quel prix payons-nous cette agression? Par conséquent, non, c'est non, non, c'est non. Pour la première fois dans notre histoire, une loi avec des trous. Par conséquent, non, c'est non. Un coup de force. Par conséquent, non, c'est non, non, c'est non. Où est la démocratie dans un cadre comme